Salut à tous les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis, on se retrouve sur le jeu Train Sim World 2 sur le DLC Marseille-Saint-Charles Avignon. On est avec le fameux DGV duplex Ouigo Espagne, il est vraiment magnifique. Je vous propose qu'on aille le tester après l'intro, à tout de suite. Yo les amis, c'est Monsieur LOL, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Train Sim World 2. On est avec le TGV duplex Ouigo, livré Espagne, elle est vraiment magnifique. En plus on est avec de la neige, regardez le TGV en blanc. Moi pour moi, je pense que c'est l'une de mes préférées parce qu'il est vraiment beau en blanc. C'était rare qu'on le voyait en blanc, mais là sur cette livrée là, elle est vraiment magnifique. Allez c'est parti du coup, on est au niveau de Marseille-Saint-Charles. On va aller prendre du coup les voyageurs. Voilà, on a un carré rouge pour l'instant. On va aller allumer le train tranquillement. Tac, du coup on va ouvrir les portes des voyageurs. Hop, donc DV... Ah oui, c'est vrai qu'il faut que j'allume la clé, je suis bête. Hop, on allume la clé bien évidemment. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre les pantographes. Donc là, on va le mettre sur continue. On va le mettre sur lever le pantographe sur N, sur normal. Ensuite, je vais lever mon disjoncteur et j'ai l'autorisation fermeture du disjoncteur. Donc, on va pouvoir partir tout de suite. C'est parti, on l'a armé. On va mettre l'inverseur de devant pour avoir le fameux bruit de la tension. Ouais, ça se dit pas, mais de la tension plus précisément. On va allumer l'éclairage cabine. Voilà, donc là notre train est presque prêt à partir. Même si dans la vraie vie, fallait attendre plus de temps. On va faire un peu les essais bien évidemment. Donc le TVM on va le mettre en test, le KVB on va le mettre en normal. Bon pour l'instant c'est bon. De toute façon on va rouler avec le KVB. On va faire du coup les tests de frein. Hop, on va le mettre au niveau de 4 bars. Maintien du frein. Hop, on va mettre le FU. Bon, je vois que le FU il marche, c'est parfait. On redessert. Tac, test KVB. Ok, le test KVB a fonctionné. Tac, on autorise la fermeture. Ok, maintenant on va faire test VACMA. Alors, tac tac, test VACMA. Alors, je sais plus s'il faut l'activer à l'arrière ou pas. Normalement, je crois que non. Ouais, s'il faut l'activer à l'arrière, il me semble. Ok. Donc, le test TVM, il m'a l'air bon. Voilà, VACMA, on va le mettre sur normal. Et du coup, tu vas me faire le test de la VACMA, s'il te plaît. Même si je sais qu'on a un collègue à nous, il l'avait déjà fait. Ok, je vois que ça a marché. Tac. On va juste... Hop. Voilà, il faut réarmer alors qu'il te le dit pas quoi. C'est à nous de le réarmer, j'ai l'impression. Hop, le maintien de frein. On va le mettre au niveau de 4 bars. On va isoler du coup la VACMA. Tac, parce que vous savez très bien que moi je ne roule pas en VACMA. J'aime pas du tout. Et puis le TVM, on va le mettre sur isolé comme il était. Voilà. J'espère que c'est bon, ouais. Tac, non, on va le mettre sur normal. Attends, parce que j'ai un doute là en fait. Alors, sur normal. Ouais, on va le mettre sur normal. Ok. Tac, on s'assoit tranquillement, verrouiller les portes, on est prêt à partir. Ouais, on est avec une livrée Carmillon derrière, hein, vous savez très bien. Ça se passe comme ça dans le jeu. Alors, on peut démarrer tout de suite. Hop, je vais mettre du coup la VI. On démarre à 30 km par heure. Ok. Et là, on va pouvoir démarrer tout de suite. Et on a un peu de neige, on va mettre un peu le sablage. Et pourquoi derrière le bruit descend comme ça? Le feu est vert. Petit dédicace à France Imu. Le feu, quand il est vert, qu'est-ce qu'il est? Il est vraiment très beau. Voilà, je tiens à vous le dire. Ça, c'est ma phrase. Je crois que ça va être ma phrase de nos jours. Bien sûr, les amis, on est à Marseille-Saint-Charles. Alors, il me semble que... Attendez, je regarde juste. Programme. S'arrêter Aix-en-Provence. On s'arrête à Aix-en-Provence. Les amis, du coup, entre Aix-en-Provence et Avignon, je ne mettrai pas ma caméra, comme je l'avais déjà fait dans mes précédentes vidéos sur ça, parce que le trajet est tellement long que moi, je préfère enlever ma caméra pour que vous puissiez regarder tout le paysage. Voilà, je vais continuer à parler, ne vous inquiétez pas. Mais là, pour l'instant, on laisse la caméra de Marseille jusqu'à Aix-en-Provence. On démarre de Marseille, ensuite on s'arrête à Aix-en-Provence. Une fois qu'on aura repris le démarrage à Aix-en-Provence, j'arrêterai la caméra à peu près par ici. Je la réactiverai enfin de vidéo. Voilà.
N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous trouvez de cette livrée. Franchement, moi je la trouve vraiment magnifique. Elle est vraiment très belle. En blanche. En blanc, pardon. En blanche. Regardez-moi ça. Honnêtement, ça vaut le détour. Ça vaut le détour d'un petit screen. Là. Hop, allez. Petit screen. Tac. Et franchement, les amis, pour ceux et celles qui ne savent pas comment installer une livrée sur TSW2, j'ai fait un tuto sur ma chaîne YouTube et il y a aussi un autre YouTuber qui s'appelle Thomas Game France qui a fait aussi une vidéo dessus. Alors, c'est simple, si vous voulez des livrées sur TSW2, par contre, je précise bien, il faut avoir que sur le PC parce qu'il y en a beaucoup qui me demandent sur PS4. Malheureusement, sur PS4, vous pouvez vous les créer vous-même, mais vous pouvez pas introduire des fichiers dans le jeu. Voilà, donc il suffit d'aller, pour ceux qui sont sur PC, il suffit d'aller dans RW Central, c'est le site internet où on peut upload, et même on peut upload d'ailleurs ses propres livrets, et on peut download aussi les livrets des autres. Ensuite vous allez dans TSW2 Livery, et ensuite vous allez avoir toutes les livrées des TGV et des autres trains aussi, d'ailleurs pour info. Voilà. Hop, on est limité à 60. Donc, voilà, je voulais vraiment préciser cette chose parce que j'ai beaucoup de commentaires où il y a des gens qui me disent que est-ce que c'est faisable sur PS4 ? Non, malheureusement, non. Bah, moi, je n'ai jamais vu faire quelqu'un qui a réussi à faire sur PS4, mais non, ça marche que sur PC. Voilà. Donc, vous allez sur le site. De toute façon, vous allez sur le site RW Central, mais dans tous les cas, tous les liens sont dans la description, les amis. Hein, vous savez très bien, il y en a aussi qui me demandent comment tu les installes. Il suffit d'aller dans ma description, il y aura marqué livré par exemple Espagne, et il y aura le lien qui vous emmènera directement au download, tout simplement. Voilà, il y a juste à faire ça. Voilà, je vous ai presque tout raconté là. Ça y est, on peut finir la vidéo là, je crois, non? Non, je rigole. Alors, du coup là, on est limité à 140, si je crois. Ouais, non, on est limité à 110, pardon. Excusez-moi. Ensuite, regardez-moi comme c'est trop beau avec la neige. Honnêtement, j'adore avec la neige. Hop. Il est vraiment beau gosse, hein, on va pas se le cacher. Hein. J'adore prendre des screens aussi. C'est important. Les bruits aussi, j'adore. Alors c'est dommage qu'on n'ait pas un complet. J'aurais aimé en avoir un complet. Là, l'arrière, c'est un camion. Donc en fait, je vous explique, on peut pas vraiment interagir aussi sur notre choix de train. Là, par exemple, mon premier train, c'est le Ouigo Espagne. Et le deuxième, bah en fait, je peux pas mettre ce que je veux. Ça, c'est un peu le dommage. C'est un peu dommage. J'ai du mal à parler ce soir. Enfin, quand je dis ce soir, c'est parce que je tourne la vidéo ce soir, c'est pour ça. Il est quelle heure dans le jeu? Il est 9h12. On a. Ouais, nous dit juste. Ouais, on n'a pas vraiment. On n'est pas en retard. Voilà. Allez, on va se mettre à 100. On va se mettre à 130. Je vais vous expliquer pourquoi. Bah, après, c'est ma méthode à moi. Parce qu'en fait, une fois qu'on va arriver dans le tunnel, où on aura le changement de tension, c'est une descente. Et le problème, c'est que si on est à 140, on va dépasser la limitation autorisée pendant environ quelques secondes. Et on va dire, c'est pas joli. Donc du coup, je me mets à 130. Comme ça, après, une fois que je suis au neutre, mon manipulateur de traction, il est au neutre. Ça va descendre un petit peu. Et ensuite, une fois qu'on sera rentré dans le tunnel, le train va prendre de la vitesse et on ne dépassera pas la limitation max. Voilà, donc ça c'est ma petite méthode. Après, vous avez la vôtre. Voilà, moi je vous la montre. Donc là d'ailleurs, on va bientôt s'approcher du mode où on devra changer de tension. Donc c'est-à-dire, on devra mettre sur la ligne LGV parce que là on est sur du continu dans le train. Voilà, je précise. Et donc il va falloir qu'on éteigne le disjoncteur, une fois qu'on aura passé le fameux panneau qui nous permet de dire qu'on peut remonter notre pantographe, et ensuite on prendra de la vitesse pour destination Aix-en-Provence, parce qu'on va rentrer dans une ligne LGV, ligne à grande vitesse, et là on est sur des lignes classiques. Voilà. Le feu est vert, alors je suis même pas à 130, tu vois, pour te dire. Voilà. Voilà, on va se mettre à 130. Et comme on arrive à 130, je vais me préparer pour mettre mon manipulateur de traction sur le neutre. Sur le neutre, donc 0 en gros. Donc, moi je le fais généralement à la sortie du tunnel. Voilà. Là, je me mets sur neutre. J'abaisse mes pantographes. Je mets sur LGV.
Et j'attends de pouvoir passer le panneau. Vous avez vu là, TGV. Avec de la neige au-dessus, hein. C'est super bien fait, je trouve. Là, on rentre dans le tunnel. Vous allez voir, il va prendre de la vitesse. Pour l'instant, c'est limité à 140 jusqu'à que le TVM s'active. TVM transvoie machine. Donc, normalement, j'espère qu'il va marcher le TVM. Normalement, oui. Dans tous les cas, oui. Alors, vous voyez le changement de traction ici. Vous voyez, on prend de la vitesse. Donc là, il me dit s'arrêter avec son Aix-en-Provence. Le TVM qui a marché. Je remets mes pantographes. J'attends juste la confirmation. Une fois que j'ai la confirmation, je peux éventuellement passer très vite. Je vais me mettre à 300 km/h sur la vitesse imposée. On va mettre les pleins phares. Voilà, vu qu'on est dans le tunnel. Le TVM qui nous dit 300 km/h. Pour l'instant, on va rester sur les 200 km/h parce qu'après, on aura la gare de Aix-en-Provence qui va arriver. Et là, on n'a plus qu'à monter. Alors en plus, on est en montée, il me semble, je crois. Ouais, on est à 2,5% de dénivelé. Donc le train, en plus, on est en double train. Donc là, il faut qu'il génère son énergie. Là. En tout cas, les amis, je voudrais encore une fois vous remercier parce que la chaîne s'agrandit de jour en jour et ça me fait super plaisir. Donc vraiment c'est ouf, c'est avec tous vos soutiens, tout ça, ça me fait vraiment très plaisir. Voilà, donc merci beaucoup de me donner de la force, c'est important. Vous voyez là le TVM il commence un peu à baisser, il nous dit qu'on est limité à 270 km/h et que à mon avis la vitesse va se réduire encore. Moi je connais la ligne donc je le sais qu'il va se réduire, après ça sera à 230 km/h, vous allez voir au prochain panneau. Cabine. J'aime pas allumer la lumière comme ça parce que je trouve qu'elle est mal faite cet éclairage. Cet éclairage là je la trouve mieux. Voilà 230. Et nous on va rester sur les 190 200. Ça arrête Aix-en-Provence. Ah si on avait de l'horaire. On est un peu en retard. Mais comme j'ai dû débuter la vidéo un peu plus tard, c'est normal qu'on a pris du retard les amis. Comme on est en montée, je me mets sur le neutre. Le train, va freiner un petit peu. Voilà. Avec le poids, bien sûr, ça freine. Et nous allons pas tarder à sortir du tunnel. Voilà, moi j'ai ma méthode, voilà, comme je vous le disais, des fois j'aime bien arriver tranquillement en gare. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit aussi, oui, tu freines trop tôt, tu freines trop tard, etc. Et voilà, c'est ma façon de faire, j'ai envie d'être tranquille quand je vais arriver à la station. Ok, donc voilà. Je ne suis pas conducteur de train dans la vraie vie, donc c'est pour ça que je préfère du coup faire à ma façon. Comme on est en descente, j'ai freiné un petit peu avant, j'ai anticipé le freinage. Vous allez voir, la descente va vous avez vu, le freinage, l'intensité du freinage n'est pas la même. Elle est un peu plus dure. Et on freine tranquillement. Moi je voudrais arriver en gare sur les 60 km/h à peu près. Voilà. Vous avez vu, signal fermé.
On arrive en gare de Aix-en-Provence. J'espère juste qu'on va pas être assez en retard, parce que vous savez que si on est trop en retard, normalement je crois qu'il y a un collègue qui nous dépasse. Ça m'est arrivé quand j'étais en stream, du coup moi je le savais pas. Donc au moins je vais vous apprendre un truc, mais là j'espère juste que ça sera pas le cas. Et nous sommes arrivés. Hop là. On déverrouille les portes. Je vous monte à l'arrière. Hein. Je vais juste vous montrer à l'arrière du train. Pour ceux qui disent oui, tu t'es mal garé. Voilà. Je me suis bien garé. Voilà. Avec la livrée camion. D'ailleurs, moi ce que je kiffe, c'est avec la caméra, c'est qu'on peut voir le tableau de bord. C'est trop bien fait. Avec les passagers qui montent. Elle est jolie cette vue là. Donc là il y a l'écran, donc on a direction d'Avignon, on a un retard de 4 minutes, ok, très bien. Alors, je suis bien en vrai. On attend juste qu'on puisse fermer les portes et j'espère juste qu'il n'y aura pas de collègue qui va venir derrière nous. Pour l'instant je vois pas de collègue, donc c'est le principal. On va fermer les portes pour les passagers et nous allons partir tout de suite. Et voilà, le TVM nous indique qu'on peut partir. Donc là on est limité à 300 km les amis, enfin après. On démarre tranquillement. Il est vraiment beau en blanc. Franchement, c'est dommage qu'ils aient pas fait de livrée blanche comme ça en France. Enfin, je veux dire, parce que ça c'est pour la livrée espagnole. Mais il est vraiment beau en blanc. Et moi, je l'ai jamais vu de mes yeux. Après, en noir, en carmion aussi, il est beau. Mais c'est pas pareil, je trouve. Les amis, on a dépassé Aix-en-Provence. Je vous propose que l'on éteigne ma caméra, hein, parce que pour certaines personnes, vous en avez peut-être marre de voir ma tête. Donc, ce qu'on va faire, c'est que du coup, on va enlever ma caméra et vous allez pouvoir profiter du beau paysage. Voilà. Peut-être que pour vous, hein, c'est mieux, mais moi, je préfère parce que je peux parler tranquillement et puis vous pouvez apprécier le paysage. On se retrouve tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, je suis toujours là. Allez, à toutes. Voilà, donc j'ai juste enlevé ma caméra et vous allez profiter du paysage pendant environ quelques minutes. Il me semble que ça dure à peu près de Aix-en-Provence à Avignon, il me semble que c'est à peu près 20 minutes, c'est une vingtaine de minutes à peu près. Je vais juste vous enlever la souris. On est limité à 300 km/h pour le moment. Déjà 240.
Mais moi j'adore la neige, c'est incroyable. Honnêtement, bon même si en France, bon il a neigé, il a beaucoup neigé, mais je trouve que la neige, mais ça rend tellement beau, c'est surtout sur cette map là, la neige elle est vraiment super bien faite. En fait on a envie de marcher dans la neige, je vous jure. Voilà, donc là on a une limitation à 320, donc on va pouvoir se mettre à 320 km/h. Nous arrivons à peu près dans 47 km, donc on arriverait sur 29h35, mais bon on va arriver un peu plus en retard. Il nous reste encore 47 km à parcourir avant d'arriver à la gare d'Avignon TGV4, et ce sera la fin de la vidéo à partir de ce moment précis.
Petite vue extérieure. Avec le soleil. Ah, cette vue là elle est bonne. Pas que la neige au dessus est vraiment bien reproduite quoi. On arrive dans 30 km. On est toujours limité à 320. Dans 20 km, donc à mon avis dans quelques instants, d'ici quelques minutes, on aura un ralentissement sur le TVM, donc, parce qu'il va falloir qu'on ralentisse à peu près 10 km avant. Au prochain signal, on va commencer à avoir un ralentissement. Voilà. Là, je vais commencer à freiner. D'ailleurs, je voudrais voir un truc.
le frein aérostatique ne marche pas. C'est ce qui me semblait aussi. Ouais, je pensais que le frein Rio marchait et au final en fait il ne marche pas le frein aérostatique. Un peu dommage. Collègue en Ouigo, oula, le collègue à mon avis il a bugué. Ok, on arrive dans 7 km, on a le temps encore. Normalement on devrait avoir un sectionnement dans le coin. Et voilà. Normalement ici il devrait avoir un sectionnement, mais ils le font pas en fait dans le jeu, je crois qu'ils l'ont pas programmé. Les amis, désolé, je sais pas pourquoi le train il a fait un petit truc bizarre en fait, il m'a fait crasher le jeu. C'est la première fois que je vois ça dans Train to World 2. Déjà je pense avec vous avez vu, je pense que certaines personnes ont dû voir l'IA qui était avant, il y avait un problème de train et le jeu m'a fait tout simplement crash. Donc du coup on redémarre d'ici. Voilà, j'ai dû me retaper toute la vidéo pour pouvoir tout refaire. Donc je suis désolé, hein, voilà, le freinage était un peu mal fait du coup, veuillez m'en excuser, mais bon, au moins je voulais vraiment terminer sur cette vidéo là parce que je n'étais pas prêt de refaire toute la vidéo. Voilà, en tout cas on arrive en station les amis, et donc nous on va se faire relever par un autre conducteur de train. Parce que nous on est plus habilité, enfin on est habilité à conduire direction Lyon, mais bon, nous on a fini notre prise de service pour la journée. Donc voilà, on arrive tranquillement en gare de Avignon TGV. Voilà. Et bah je sais pas pourquoi il m'a fait crasher le jeu. Moi j'ai, en plus ce qui est bien c'est qu'on arrivait tranquillement en gare et tout. Et je me suis dit non, il peut pas me crasher à ce moment-là, et si, il me l'a fait. Donc voilà, veuillez m'en excuser. Je suis vraiment désolé. Mais bon, en tout cas, on a réussi quand même à finir le trajet. C'est quand même raisonnable. Voilà. Vous savez très bien que moi, j'aime pas trop... moi, j'aime bien que mes vidéos soient en fait de qualité par rapport à ça. Hop, et voilà, on est arrivé les amis, on va ouvrir la porte aux voyageurs. Nous ce qu'on va faire c'est que bah, y a le collègue qui est en train de marcher pour venir nous relever. On a pris notre valise, on a tout pris, on redescend, on laisse la porte ouverte. On vérifie bien sûr que devant ça va, oh, impeccable, oh, qu'est-ce qu'il est beau. Honnêtement, je crois que je suis tombé love de cette livrée, c'est incroyable. Hop, ah non, on va quand même fermer la porte hein, finalement. Et puis nous on va aller sur le quai et puis on va terminer la vidéo ici hein, tout simplement. Ouigo.com hein. Voilà, si vous voulez vous allez sur le site, je vous montre à peu près l'intérieur hein. On peut toujours s'asseoir. Est-ce que certaines personnes s'en souviennent que sur les tables qui se dépliaient et se pliaient, moi à chaque fois je me cassais le genou. Je vous jure, à chaque fois le genou ça me pliait. Bon, ça c'est le dessus, voilà. Je vous montre pas plus, c'est dommage qu'ils n'ont pas produit les toilettes. J'aurais bien voulu voir les toilettes dans tous les cas. Alors du coup ce train, ils l'ont mis en destination de ouf.
Ils disent que Avignon. Ah, il va à Niceville, mais c'est bizarre quand même. Ouais, ils ont. Il y a des trucs qui vont, qui sont un peu mal faits quand même dans le jeu. Enfin bref. Ouais. Ouais. Merci, c'est gentil. En tout cas les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Bon, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Désolé pour ce petit bug qu'il y a eu à la fin de la vidéo. Mais bon, vous savez très bien que les bugs, ça fait partie de la vie. Voilà. En tout cas les amis, je vais vous souhaiter un bon game. On se retrouve pour d'autres vidéos. Voilà, c'était Monsieur LOL. On se dit à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.